vidéo fait dans des conditions assez spéciales. On est le 10 mai, ça fait un mois et un jour j'ai votre chaîne. Et depuis hier j'ai eu la grippe, donc je suis un peu cloué. Et donc pour les vidéos c'est papier, pour voir les chenilles c'est papier non plus parce que mes yeux me font mal. Et donc là je pense que je suis devant chenille. Mais malgré confirmation, personne n'a pu me le confirmer. Encore j'ai demandé à mon animateur, il sait pas trop. J'ai regardé l'image sur internet, en fait la couleur que moi je vois, elle est à peu près entre les deux, mais plus proche celle du chenille. Donc dans le doute je vais filmer, et cette vidéo sera en deux parties. Oui, en deux parties, vu que là je pense que c'est pas la peine de faire une vidéo alors que je suis vraiment malade, c'est juste le temps que je le chope. Et je pense dans quelques jours faire la deuxième partie de la vidéo, si jamais les chaînes. Bon. C'était le 91e de la session, donc c'est le 1131e, 1131e à la route 10. Donc ce recherche j'avais commencé très au début de noir et blanc et que j'avais un peu profité la route 5. Bon, alors je ferai le récit plus tard, c'est vraiment j'ai des difficultés à parler. Bon, on va faire vite fait, on va faire la capture, la preuve de rire en parenthèse, fin de guillemets, puis voir si c'est vraiment un chenille, puis dans le cas contraire, faire pas la vidéo. D'un côté il y avait furet sur blanc, et sur noir je sais repousse. Et niveau 40 pour Golet ou Vostornu, je suis tombé sur un caraclé qui me semble violet, mais c'est vrai que la couleur n'est pas énormément différente normalement en chenille, en normal, et là ça aggrave les choses. Bon, on va l'affaiblir. Il n'y a pas d'attaque suicide. Pire qu'il peut faire, c'est voilà. Donc j'ai pas de chance si tu je crois, donc je vais le choper avec qu'est-ce que j'ai une luxe boule, une chrono boule, sombre boule, une rapide boule, qu'est-ce que j'ai choper à la soin boule, tiens non soin boule ça fait tempête plutôt luxe boule, tiens luxe boule ça fait la classe. Si c'est vraiment un chenille, je le surnommerai Bob Wall, comme le vice-champion de karaté il y a quelques années, habitué des films de Bruce Lee, qui se faisait souvent latter la tronche par Bruce Lee. Alors, un Pokémon. J'ai pas changé dans cette version-là, je comptais surtout faire du test, et parce que les recherches que je fais d'habitude, j'ai pas besoin de gros taux de capture, que je suis plutôt confiant. D'ailleurs, je suis un. Ah non, j'ai rien dit. Si? Non, rien dit. J'allais dire je suis un irresponsable puisque j'ai un mireur d'un niveau 40 et que Ponchien pourrait faire hurlement. Mais non, parce que le robot, justement, ça veut dire Ponchien. Voilà. Missy est arrivé sur. Et donc là, vous allez avoir en même temps que moi les étoiles si elles existent. C'est rare ici dans une vidéo de Shiny, mais là vraiment, on va découvrir les étoiles ensemble. C'est un peu une sorte de live à l'envers. Hein. C'est là que je pense vraiment à Shiny. Oui, c'est un shiny. C'est bien. Donc, je ferai le montage d'une deuxième vidéo plus tard. Et oui, bah, j'ai pas trop développé parce que vraiment c'est catastrophique. On va juste faire une deuxième rencontre et regarder sa nature. Histoire qu'on dise pas, il en a chopé un autre depuis pour dissimuler et tout.
Alors c'est celui que je voulais le moins sur cette route. Et il est pas dégueu, hein, franchement il est pas dégueu. Ah ouais, le repose des points de kiff. Il est vraiment pas dégueu. Bon, on peut dire ça, ça va être un récit spécial, mais pour la nature, bah, je vais faire comme si je ne l'avais pas vu côté des autres. Je parierais plutôt sur une nature solo. Pressé. Sans professionnel, je ne sais pas du tout ce qui est bon pour lui. Voilà. Je ferai le reste plus tard. Bon, bah, à tout à l'heure pour la vidéo et à dans 2-3 jours pour la vérité. Salut. Yeah, je suis beau, je suis flou. Nous revoilà pour la vidéo de Caraclé. Bon, ça va un petit peu mieux. On est le 12 mai, il est 11h30. Et donc, je l'ai capturé avant-hier. Avant-hier soir. Donc, voilà. Maintenant, je dois faire la suite. Alors, cette recherche-là, c'était la première que j'avais commencé sur noir et blanc. Avec comme cible Golet et Frison. Cette recherche, je l'avais surnommée Sex Machine. Pour ceux qui sont sur Pocket Monster qui l'ont vu, j'expliquerai pourquoi peut-être plus tard. Je pense que je vais y retourner. Bon, alors, d'abord, petite présentation pour le surnom. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bob Wall, c'est cet homme. Non, c'est pas lui, c'est lui. Donc, il fait du kickboxing et du karaté. Il est né en 1939 et la plupart de ses apparitions, c'était au début des années 70. Et il est plutôt connu chez nous pour avoir été laté par Bruce Lee pas mal de fois. Qu'il apparaît dans. Voilà, ça c'est Opération Dragon, c'est le premier film où il apparaît, où il se fait laté par Bruce Lee, après avoir laté quelques mecs. Après il réapparaît dans. Non, ça c'est la Fury Dragon, Opération Dragon c'est le deuxième, où il a des mecs et il se fait dégommer par Bruce Lee. Et il y a un troisième qui est Le Jeu de la Mort, où il dégomme des mecs et se fait dégommer par Bruce Lee, vous avez bien suivi. Voilà, donc les gars abîmés, voilà, le tuyau fout un coup de poing. C'est génial. Et pour les grands connaisseurs, c'est l'élève de Chuck Norris. Voilà. Face de l'escargot, c'est fini. C'était l'élève de Chuck Norris qui est plus connu et que Bruce Lee affronte quelques minutes après dans ce film. Bon. Bref, on revient à Caraclé. Comme pour la 5G, comme d'habitude, je vais lire sa phrase. Dans les montagnes où il s'entraîne, on peut l'entendre donner des coups de poing aux rochers et aux grands arbres. Mais ça ne sert à rien, mais ça fait plaisir. Maintenant, on va le voir au combat. C'est génial. Donc, et je marche, vous voyez bien, c'est bien Léopardus. Ah, voilà Caraclé. Mais, oh là là, Caraclé a changé de prénom, il a aussi changé d'identité. Mais pourquoi donc? Car il est sur blanc. Oui, sa phrase est, quand il noue sa ceinture, il est plus concentré, ses coups font plus mal. Il s'énerve aussi en jetant un entraînement. Non. Alors, je vais faire quelques rencontres. C'est pas une recherche que je fais, c'est juste que je teste un peu celle-là, c'est sympa. Et pour l'instant, on va faire des dédicaces. Voilà, des dédicaces. Alors, d'abord, une dédicace à Missy, que j'espère qu'il va trouver Roucoule bientôt. Parce que. Ça fait. Elle a perdu le ton il y a peu, elle trouve rien sur 5G, donc. Bonne chance à elle. Ensuite à mon Alinou, mon dracolope préféré, pour Fureglong, j'espère qu'il va avoir, parce que pour le moment il mène 3-1 sur la route 10 et le point de passer, je m'en fous. Alors, troisièmement à Marinette, future coéquipière de la SHTC, pour Gariègle, bon, bon j'ai pas trop suivi Gariègle, c'est. Voilà. Ensuite, mon Sylvain Ichou pour surprise, en fait, moi je sais, mais il veut pas qu'on le lise. Donc, bonne chance à toi. Mon Bekichou pour un autre qui veut pas qu'on le lise et que je vais pas dire. Mais c'est la classe, il le trouve.
Ensuite, Mario Ichu pour Dialga. Parce que Dialga, c'est Dialga. Léon Ichu pour le Forbuisson. Je dirais qu'il faut trouver Mimical. Hein. Bon, c'est bon. Mon History Ichu pour Moustillon. Mon Dioglan Ichu pour Bulbizarre. Non, Dioglan Ichu c'est Safari. Manamat pour Bulbizarre. Et pas aux autres que j'ai oublié. Voilà. Et je vais terminer par une dédicace spéciale à Magmatueur qui m'a bien aidé l'autre fois, même s'il n'a pas pu répondre à mes questions, mais l'intention était là et je le remercie beaucoup. Que j'étais, je voyais pas bien la couleur de Caraclé, je lui ai envoyé une photo par MSN pour qu'il essaie de voir si lui le voyait en shiny ou si c'était mon imagination. Donc même s'il n'a pas pu répondre, je le remercie beaucoup car c'était très gentil de sa part. Voilà. Donc pour ma prochaine recherche, je continue celles qui sont en route. Hein. Et je vais bientôt approcher du 40e. Et au 40e, je vais faire peut-être un truc spécial, je verrai peut-être un nouveau fossile. Enfin, ben, on va finir cette vidéo par un reset de Turakion. Hop. Qui a failli s'appeler Portoto, ça aurait été con. Ouais. Et dernière apparition de Caraclé. Et la vidéo est finie. Bonne chance à tous et que les canards bénissent votre âme et votre cœur d'or et votre âme d'argent. Et voilà. Et que Noir nous soigne, il n'y a plus d'espoir. Avec les séries, c'est fini. Et voilà.